Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe parpaing, grosse cette crasse. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du Ghost, les gars. Ouh, Tonton il refait du Ghost. Il va pleuvoir cet après-midi. Non, sérieux les gars, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu du Ghost sur ma chaîne. C'était la dernière fois que j'ai mis du Ghost sur ma chaîne. C'était en octobre, je crois. Il me semble bien, il y a encore, je crois que c'était un gameplay au snipe. Ouais, c'était le dernier gameplay au snipe que j'avais mis. Donc franchement, aujourd'hui, ça fait plaisir. Moi, je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer Call of Duty Ghost. Tonton, ça n'a pas été son Call of Duty préféré non plus. Mais aujourd'hui, je suis assez fier de vous présenter cette double KEM, on va dire, en équipe. KEM de Tonton à la K12, les gars. Vous savez que Tonton se prenait pas la tête sur Ghost, il jouait à K12. Voilà, donc ça fait plaisir, une petite KEM. Rien que le bruit, vous allez voir, les gars, vous allez kiffer. Moi je vous le dis, vous allez kiffer le bruit de la KM, ça fait longtemps et il est. Franchement, le bruit de la DNA il est pourri. Le bruit de la KM c'est un bon bruit. Tu vois, le truc énervé un peu. Tu sens qu'il y a un truc qui va te tomber sur la gueule quoi. Voilà, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, j'ai la fierté aussi un petit peu dans le titre de la vignette. J'avais marqué les disparus de la team. Ben oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un gameplay où je suis accompagné de 3 joueurs de la team OCB Raja, OCB Rodi, OCB Tazy. Voilà, c'est 3 joueurs que je connais depuis un bon moment sur Call of Duty, dans la team surtout. Et aujourd'hui, voilà, c'est le dernier gameplay que j'ai joué avec eux, pour vous dire, ça remonte à un moment. C'était sur Ghost, c'était sur d'ailleurs même sur PS3, pour vous dire. Donc je pense que c'était, je sais même plus quand c'est que j'ai eu la PS3, mais c'était avant octobre, c'était je pense que c'était en août. Ouais, en août, me semble, ou septembre, je sais plus. Bref. Tout ça pour vous dire qu'ils ont disparu, et quand ils ont disparu, c'est pas qu'ils ont quitté la team, mais c'est qu'ils sont restés sur PS3, et j'ai un peu fané aujourd'hui depuis jouer avec eux. Et je me suis dit, ben voilà, ça me manque un petit peu de jouer avec eux, parce que voilà, ils ont chacun leur style. On va dire Tazy, c'est plus un objectif player, Rodi c'était plutôt un mec qui joue en soutien et objectif player aussi. Tu vois, les mecs qui s'en battent les couilles de mourir, tu captes, je veux dire, un peu qui sont là pour tenir les scores, pour tenir les drapeaux. OCB Raja, c'est plus bon, c'est quand il faut jouer quand il faut jouer la gagne et les drapeaux, il y va aussi. Mais à la base, Raja, c'est plus, tu vois, le mec qui va killer, tu vois, qui va faire sa petite KM et tout, qui va faire du kill. Un petit peu comme moi, tu vois, il joue un petit peu comme moi. Après, moi aussi, quand il faut y aller, gagner, jouer les drapeaux, je joue les drapeaux. Mais voilà, chacun a son style de jeu. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de mettre ce gameplay avec eux, les gars, parce que franchement, voilà, il me manque un petit peu, voilà, je peux de le dire, il y en a plein qui me manquent, il y a aussi Béchaka Zulu aussi, tu vois, pour tout, je sais que vous aimez bien les gars de ma team et tout, il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent ces pseudos, tu vois, OCB Raja, OCB Chaka, Chaka Zulu, Linaya, il y en a plein, tu vois, qui me manquent un peu, et ça me fait chier, parce que, ben, je dis pas que voilà, ceux avec qui je joue, tu vois, je suis content, c'est ma team, tu vois, mais voilà, il manque des cadres, tu vois, c'est un peu... Je sais pas comment te dire, tu vois, c'est un peu comme, pour te donner un exemple au football, tu vois, quand tu as une bonne équipe, tu vois, style le Real de Madrid, et tu vois, tu as une bonne équipe, mais il te manque Cristiano Ronaldo, il te manque Benzema, tu vois, et tu joues avec les remplaçants. Enfin, quand tu joues avec les remplaçants, pas les remplaçants, mais tu joues avec une autre équipe que Benzema, tu n'as pas Benzema et pas Ronaldo, tu vois. Tu as quand même une bonne équipe, c'est quand même le Real, tu vois, mais voilà, il manque cette petite touche, tu vois, des anciens, le petit Chaka qui joue tout le temps au fusil à pompe et tout, tu vois. Le Raja qui est là, qui geek souvent tard le soir, donc moi je jouais beaucoup avec lui, donc il était souvent dans mes gameplays avec la OCB. Donc voilà, aujourd'hui, si vous pouvez mettre dans les accueils, je pars un coup, moi, dans les commentaires, un petit message de soutien pour eux, tu vois, ça. Oh, Tonton, il a pris de l'MK14, mort de rire. Et un petit message de soutien, tu vois, s'il en disant, ben ouais, au Raja et tout, vas-y, bouge-toi le cul. Tu m'avais dit qu'il devrait venir en janvier, qu'il devait acheter la PS4, toujours pas de nouvelles. Donc là on est en février, je me dis que peut-être ça va pas tarder à arriver, mais je me suis dit, si vous êtes nombreux dans l'espace commentaire de ma chaîne à mettre un petit soutien à Raja qui revienne, tu vois, allez Raja, enfin voilà, reviens parmi nous, tu vois, reviens sur la team OCB PS4, tu vois, qu'on puisse faire des bons bordels, pourquoi pas faire des lives et tout, en plus c'est un mode zombie qui va pas tarder à arriver, lui je sais que c'est un bon joueur zombie, je me suis dit pourquoi pas faire du zombie avec lui, tu vois, et il connaît bien les trucs des zombies et tout, et voilà, bref. J'espère que voilà, cette vidéo c'est un peu dédicace à eux, tu vois, c'est un gameplay où j'ai joué avec lui et tout, ça fait plaisir. En plus il y a une petite KM de Raja dedans aussi, tu vois, donc petite dédicace à Raja aussi dedans.
Et des dédicaces à tous les anciens de OCB, de la PS3, ben, il faudrait qu'ils viennent vite sur PS4, qu'on se retrouve vraiment au complet. OCB Rachon aussi. OCB Rachon disparu, on ne sait plus où il est. Voilà, bref. Sinon, après, j'ai deux petites. Je voulais parler de ben, OCB Wanted. Oui, pourquoi OCB Wanted aussi c'est simple parce que, frère, je vous dis franchement la vérité. Moi, j'ai des abonnés, ils veulent tellement jouer avec nous, mais alors dès qu'ils nous trouvent dans les parties sur Advanced Warfare, ils nous font la misère, tu vois. Et genre, quand je dis ils jouent leur vie, c'est vrai un petit peu, c'est un truc de ouf. Hein. À chaque fois qu'on joue des games, je le sens, tu vois. À la fin de la partie, je me dis, c'est des abonnés, tu vois. Et les mecs, quand je joue contre nous, les gars, c'est pas grave si vous faites un ratio un peu, tu vois, moyen ou même négatif. Parce que le problème, c'est que voilà, sur Advanced Warfare, quand je rencontre des abonnés, à part quelques-uns, honnêtement, j'ai rencontré quelques abonnés qui ont joué, tu vois, genre le rush, quand je joue le jeu à fond et tout. Mais, tu vois, dès qu'ils voient la team entière, si vous êtes 2 ou 3 abonnés, j'ai remarqué, vous avez un réflexe, les gars, c'est de vous caler dans les coins, jouer votre vie pour faire un ratio, pour dire, ouais, j'ai fait positif contre tonton. Ouais, mais au final, vous me laissez une mauvaise image, tu vois, parce qu'en fait, moi, je rage un petit peu, tu vois. Et comme vous entendez pas en micro, on est dans le chat de la PS4, eh ben on le sent, tu vois, que vous jouez votre vie et tout. Donc, franchement, aujourd'hui, je suis pas là pour vous engueuler ni rien. Je suis là pour vous dire, quand vous tombez contre la OCB, jouez à celui qui va killer le plus, tu vois. On fait du rentre-dedans et tout. Moi je sais qu'on essaie de rusher à fond, tu vois, et franchement souvent quand on tombe contre les abonnés, ça gâche un petit peu les parties parce que chacun essaie de faire ses kills, veulent absolument t'en sortir un Warbird contre tonton ou un paladin contre tonton, donc ça crame, tu vois, et c'est dommage un petit peu parce que ça gâche le plaisir du jeu contre les abonnés. D'où je suis en train de réfléchir à une solution pour aussi mettre un nom de clan. C'est une dédicace à un abonné à moi de Facebook qui m'a proposé cette solution. Il m'a dit, trouve un moyen de mettre un pseudo dans l'onde de clan pour que tu puisses voir qui sont les abonnés qui sont en face sur Advanced Warfare et éventuellement pourquoi pas les inviter si vous n'êtes pas 6 dans une prochaine partie. Donc je suis en train de réfléchir à un pseudo sur ça. Les demandes d'amis sur le PSN, les gars, je vous le dis franchement, je le répète, parce que souvent je reçois des messages sur Facebook, ouais salut tonton, je te suis depuis 3 ans et tout, tu peux me rajouter sur le PSN. Il y en a que c'est vrai, il y en a que c'est faux, tu vois. Il y en a qui me disent je te suis depuis 3 ans et après ils me posent une question, ils me disent t'es sur quelle console, Xbox ou PS4. Bon, bref, voilà, tu as compris, les mecs qui sont là, qui viennent, enfin bref, qui veulent juste jouer avec moi mais qui me suivent pas du tout. Enfin, sur ce, voilà, je voulais vous dire en fait que je ne pourrais pas vous rajouter parce que pourquoi, je les répète, ça fait plusieurs vidéos que je le dis en fait. Mon compte OCB, on est plus entre 40 et 50 OCB, d'accord. Plus ceux qui manquent de la PS3 qui vont pas tarder à arriver. Ça veut dire que quand j'allume sur la PS3, sur la PS4, pardon, OCB, j'ai toujours de quoi faire minimum une guerre terrestre. Voilà. Dites quand même au passage, les gars, le petit bruit, ça fait plaisir. Et pour vous dire que j'ai toujours minimum, on fait la guerre terrestre, voir si vraiment minimum il n'y a pas grand monde, on fait 2-6 ou alors on fait une domination simple. Voilà. Donc déjà ça, sur la team, je peux pas vous rajouter. Après sur le compte solo, j'ai déjà expliqué les gars, le compte solo c'est pour faire mes défis solo, c'est-à-dire je quitte les parties quand je veux, je rejoins, si ça me plaît pas, je change d'accueil, tu vois. Je suis pas là pour vous faire quitter, racheter. Moi je suis là pour jouer tout seul, c'est un compte défi solo, Bandit Dos tout court. C'est là où je réalise mes DNA, c'est là où je réalise mes défis, pour vous faire plaisir, pour faire des bonnes vidéos. Donc j'ai besoin d'être seul, tu vois, sans micro, sans que personne me parle, d'être concentré dans mon défi. Voilà, donc après j'ai dit, comme je l'ai répété toujours, si on est moins de 6 ou qu'on n'est pas fou dans un accueil et que je vois que vous êtes des abonnés, je vous invite, ça je l'ai toujours dit. Mais après, sur le compte principal et le compte secondaire, arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des messages, on reçoit une 20aine ou 30aine par jour sur Facebook, et tonton, est-ce que tu peux m'ajouter, est-ce que tu peux m'ajouter. Voilà, je vous inviterai dans les accueils si vraiment on n'est pas au complet, mais honnêtement, je pense que vous pouvez comprendre quand on a une team de 40 à 50 personnes, qu'on ne peut pas inviter tout le monde, voilà, comme j'ai toujours dit, c'est priorité à la team. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensible sur ce truc là. Sur ce, n'oubliez pas de faire un tour sur les vidéos précédentes, de mettre dans l'espace commentaire un petit commentaire, ben pourquoi pas pour le gameplay double KM en équipe, enfin l'équipe, on était 4, une petite dédicace aux anciens, aux disparus de la team, ça leur ferait, tu vois, un petit message genre, les gars, revenez avec tonton, enfin tu vois, ou Raja revient, machin. Voilà, je sais qu'ils regarderont cette vidéo, je sais que Raja regardera la vidéo, donc ça me fera plaisir et ça le motivera un petit peu. Linaya aussi, quand tu veux, tu viens sur la PS4, on t'attend. Enfin bref, tout le monde, tous les anciens, Rachon, chacun, quand vous voulez les gars, voilà, je suis là, tonton est là.
Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, et un petit tour sur les vidéos précédentes, un max de likes pour tonton, et sur ce, je vous retrouve samedi pour une fucking gameplay, pour sûrement mettre 33 000 abonnés, un fucking putain de fucking gameplay au snipe. Vous allez kiffer grave, même moi j'ai kiffé le faire, donc vous allez kiffer. Sur ce, bonne semaine à tous, et à samedi. Allez, ciao les gars!